<sweak> 🎵🎵 Bonjour à toutes et à tous, ici monsieur Green. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, un jeune homme de 14 ans qui veut découvrir l'univers de la radio et qui est cette semaine en stage à Liberté FM. À cette annonce, j'ai décidé d'élaborer cette chronique avec lui et surtout connaître à quel point il peut être Green. Pour cela, j'ai concocté un petit quiz auquel je vais le soumettre et nous discuterons ensemble de l'environnement. Bonjour Samuel, bienvenue sous la canopée. Je te laisse te présenter brièvement et expliquer pourquoi tu as voulu réaliser ton stage à la radio. Eh bien, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, moi, euh, bah, comme l'a dit Monsieur Green, je m'appelle Samuel. J'ai 14 ans. Euh, je suis en troisième au Collège Arnaud Daniel à Ribérac. Et euh, bah, j'ai euh, eu l'idée de faire mon stage euh, professionnel euh, découvert d'entreprise à la radio parce que c'était un, un côté. Euh, un côté des métiers sociaux qui m'intéressait beaucoup. Bon, il y a le côté audio technique et tout ça, mais c'est surtout le côté rencontre euh, que euh, j'apprécie beaucoup euh, dans ce genre de métier. Voilà. Ok, très bien. Mais bah, écoute, on te souhaite de réussir tes projets et d'avoir une super audience. Euh, tout de suite, entrant dans le vif du sujet, je vais te proposer quelques affirmations et tu devras me répondre par green ou pas green. Et attention, avec le temps, c'est soit c'est green, soit c'est pas green. Tous les matins pour bien me réveiller, je prends un bon bain chaud et la journée peut démarrer. Ah, euh, pas green. Non, pas green du tout. Je me renseigne sur l'impact carbone et humain de chaque produit que j'achète. Ça, c'est green. Ça, c'est très green. J'ai toujours un sac en tissu sur moi lorsque je vais faire mes courses. On ne peut plus green. Yes. L'huile de palme est la meilleure pour nourrir la planète parce qu'elle n'est pas chère. Euh, pas green du tout. Non, pas green du tout non plus. On peut le dire à d'autres multinationales d'ailleurs. <laughs> Prendre régulièrement l'avion pour ses déplacements professionnels est un gain de temps et donc d'argent. On ne peut pas plus green. Pas green du tout non plus. Alors, après avoir réussi haut la main le Green Quiz, nous allons passer à quelques petites questions sur ta vision de l'homme et de l'environnement, aujourd'hui et dans le futur. Alors dis-moi, lorsque je te parle de réchauffement climatique, tu penses à quoi euh, eh D'abord, le réchauffement climatique, euh, pour euh, bah, les plus petits qui nous écoutent et qui ne savent pas encore ce que c'est, c'est euh, le rejet euh, immense de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, bon, causé par, euh, par les hommes, par euh, les animaux parfois aussi, mais surtout, surtout parce, euh, à cause des machines et des grosses usines qui à travers le monde. Donc ça, donc ça rentre dans l'atmosphère et ça grossit ce qu'on appelle la couche d'ozone. Qui va empêcher la, ch la chaleur du soleil, une fois qu'elle rentre la dans l'atmosphère, de pouvoir ressortir. C'est un peu euh, comme un four qu'on ferme, si vous voulez, pour euh, conserver la chaleur. Bon, bah, inutile de préciser que ça a des euh, conséquences terribles. Bon, déjà sur la température, euh, qui une fois trop élevée, bah, en fait empêcher euh, de vivre certains, pratiquement tous les êtres vivants. Mais il y a aussi des conséquences, on va dire, secondaires, parce que bon, qui dit grosse chaleur, qui dit bien sûr fonte des glaces, notamment en Arctique, je suppose que vous êtes au courant, et qui dit fonte des glaces, dit disparition de faune et de flore euh, bah, qu'on ne trouve que dans ces, dans ces zones polaires-là. Et ensuite, eh bien, il y a... Encore une grande conséquence, c'est que si les glaces fondent, eh bien, bien sûr, ça fera monter le niveau des océans et beaucoup de villes à travers le monde, d'innombrables villes côtières, seront totalement immergées, de New York à Saint-Tropez en passant par Saint-Nazaire et toutes, enfin, toutes ces villes côtières partout à travers le monde. Voilà, et ce qui provoquera forcément donc des migrations de population aussi. Euh, très bien. Et alors, du coup, toi, est-ce que tu penses au quotidien avoir des pratiques euh, écolo et euh, avoir euh, finalement une petite empreinte carbone ou euh, tu es plutôt consommateur un peu comme les autres Alors, euh, bon, euh, on ne peut pas, bien sûr, euh, priver euh, quelques années. Euh quelques années d'habitude dans euh, la consommation, on ne peut que le modérer parce que bon, ça fait partie des défauts de l'être humain, être consommateur, il n'y a, a pas de souci. Mais après, je pense qu'il est très important, comme je le fais moi, de pratiquer quelques petits gestes. Ça, ça, peut, aller ça, ça peut être n'importe quoi, que ce soit de trier ses, trier ses déchets, ramasser un papier euh, ou euh, un déchet euh, dans la rue euh, et le mettre dans une poubelle ou classer les aliments euh, qu'on a dans son frigo ou même faire un, un petit compost dans son jardin. Pour moi, euh, si déjà la moitié de la population française faisait ça, euh, ça ralentira déjà bien les choses et bien sûr, il faudra le faire, essayer de le faire dans d'autres pays. Et à grande échelle, effectivement. effectivement, plus on en prend conscience, plus on modifie nos comportements, plus on aura la capacité hein, euh, d'affronter ce défi climatique. Exact. Et alors du coup, toi, tous ces gestes, tu les as pris euh, d'où De l'école C'est ta famille alors euh, bon, euh, je, ça a commencé très petit, donc c'était avec la famille. Et euh, ben, euh, je me suis rendu compte, bon, plus tard, parce que je me suis mis à réfléchir, que ben, que l'école, l'école avait pris le relais. Bon, je vais parler de l'école primaire parce que au collège, bon, moi je suis au collège, et je suis en dernière année de collège et on n'a pas vraiment, vraiment abordé le le thème des déchets. C'était surtout à l'école primaire, donc euh, bien dommage. Bien. Ouais. Oui. Je trouve ça bien que. Mais qu'on en parle à l'école primaire, même si je pense qu'il faudrait quand même continuer à en parler au collège, parce qu'en général, les premières personnes, on va dire, qui, qui salissent, ce sont les, les adolescents. Euh, alors dis-moi, Samuel, comment vois-tu ta vie en 2050 Donc d'ici 30 ans, tu as 14 ans, tu auras 44 ans. Comment tu imagines euh, la vie sur Terre, en France, un peu dans le monde entier d'ailleurs euh, eh bien, euh, bah, d'un point de vue pessimiste, on va dire, enfin, pessimiste, non, réaliste plutôt, on va dire. Déjà, je m'attends à une disparition totale euh, de l'Arctique et peut-être même d'une partie de l'Antarctique euh, bah, à cause du réchauffement climatique que nous avons cité euh, tout au début. Euh, ensuite, bah, bien sûr, à la surpopulation qui ne cesse d'augmenter. Je pense que d'ici 2050, on sera un peu plus d'une dizaine de milliards. Oui, 11, exactement. Ouais, 11 milliards. 11, mmh. 11 milliards. Euh, et ensuite, bah, bien sûr, tous les dérèglements climatiques qui risquent d'y avoir à travers le monde, qui engendreront euh, des migrations de masse. Donc, il euh, faudra peut-être penser à parfois à des migrations de centaines de millions de personnes d'un point A à un point B. Euh, et puis, bien sûr, bah, 2050, donc dérèglements clima climatiques, donc euh, fortes températures. Euh, on, on pourra avoir des pics à 50 degrés euh, alors que bah, de nos jours, ici en France, euh, en moyenne, là, on, on est dans 30, dans, ouais. 30 degrés, 30, ouais, 30 30 degrés bah, voilà, dans 30 ouais. ans, bah, ce sera 50. Et 000. du coup, ça, toi, 14 ans, tu es quand même jeune, euh, est-ce que ça t'inquiète pour l'avenir Ou tu penses réellement qu'il faut quand même rester optimiste, que l'humanité a cette capacité de pouvoir s'adapter rapidement au changement Parce que là, c'est quand même ce qui est demandé, c'est d'avoir une rapidité euh, d'adaptation. Alors pour ce qui est de l'adaptation de l'homme, heureusement que l'homme sait s'adapter à la situation dans laquelle il s'est mis, parce que quand je vois que la situation climatique, politique, économique ou philosophique, n'importe quoi que ce soit, on soit dans la même depuis 50, 60, 70 ans, et qu'aujourd'hui encore on soit dans le même wagon, bon. Je, dois, ouais, je vais parler pas... une inquiétude oui je vais je vais pas parler de ça parce que je suis encore trop jeune c'est pas de toute façon je suis pas ici pour parler de ça mais euh, je pense que je pense qu'en effet il faudrait entrevoir l'avenir avec inquiétude parce que moi une question que je me pose dans mon dans mon esprit d'homme de 14 ans c'est jusqu'où on pourra aller et à quel moment après avoir fait quoi on pourra dire bon stop là maintenant ça suffit il faut qu'on réfléchisse après, bien sûr, je, ça, je suis, je suis quelqu'un d'assez optimiste sur les bords, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes, j'espère, sur la Terre qui pensent un peu comme moi et qui gardent en eux une petite parcelle d'espoir que tout va pouvoir changer. Mais pour terminer cette, ce petit entretien euh, très sympathique euh, avec toi, euh, si tu devais laisser un message euh, à ta propre génération, voire aux générations qui suivraient, qu'est-ce que tu leur dirais euh, pour, euh, bah, pour penser l'avenir en matière d'écologie, déjà, bah, je, je les incite à faire des petits gestes, des petits gestes, euh, gestes écolos, euh, même si pour moi ils sont normaux. Ça, ça fait partie de ma façon de penser. On jette quelque chose, on le ramasse, on le met à la poubelle pour pas. Enfin, voilà. Mais surtout aussi, ce que je vais dire, et ça, ce sera valable pour toutes les générations, euh, pour n'importe quel sujet, euh, la division fera notre faiblesse et l'union notre force. Donc, au lieu de penser chacun dans son coin, ceux qui pensent doivent se réunir pour en parler, et c'est comme ça qu'on pourra faire réagir les grandes personnes qui dirigent le monde, que ce soit les politiques ou même les entreprises, parce qu'il faut aussi signaler que les entreprises ont leur rôle à jouer dans la direction du, du monde dans lequel on vit. Et euh, je pense qu'il faut faire réagir ces personnes-là, et c'est ensemble qu'on y arrivera. Alors, bien sûr, j'encourage tout ce qui est pétition en ligne, euh, rassemblement, débat, conférence, et, et sur le sujet. Boycott aussi, ouais. oui. Bon et eh bien Samuel, merci de ta visite. Mais de rien, c'était un plaisir de parler d'écologie avec vous, Monsieur Green. Eh bien merci encore et je vous dis à bientôt sous la canopée. C'était Mr Green, bonne journée. Bonne journée à vous et restez unis. Comment c'était. Oh oh oh, oh C'était un, un pur, un absolument pur délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, enfin, oui. Green, comment Oh super green, aussi green. Green, oh, green que ça non, peut être. Green. green, green, la puissance de green green green, 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 tu vois Alors tu vois le green, green, la green, plus green